C'est pas compliqué. Hein. Il est soit dans l'atmosphère, et s'il s'accumule dans l'atmosphère, il contribue au changement climatique, soit il est séquestré dans les sols, et là, il rentre dans la dynamique de la fertilité. Ici, à la ferme du Béquelouin, c'est presque devenu un peu obsessionnel d'enrichir la fertilité de nos sols, avec des moyens très simples, en utilisant uniquement la matière organique. Et il y a une étude belge qui a montré que la vitesse d'enrichissement de la terre de nos jardins était jusqu'à 26 fois au-delà de l'objectif des 4 pour 1000. We want to make sure that in the coming years everybody is going to be able to eat. With this type of farming we're trying to use as less water as possible. Have the least impact on the planet as possible. And water is one of the challenges the planet has to face now. So what we have here is maybe the biggest pond of the farm, or at least the biggest system of ponds that are connected to each other. We collect the rainwater in those ponds, connected by a small stream that we've created. And the water system goes under the soil, and by what we call capillarity, it will let the plants go deep into the soil and get the water that they need. The deeper a plant goes, the more nutrients it can expel from the deeper soil. So it's perfect for the soil life and for fertility, of course. Le fait d'arriver à concilier produire beaucoup de légumes sur très peu d'espace et améliorer les sols, ça a une autre conséquence énorme, majeure, c'est qu'on libère tout le reste du territoire de la ferme. La première étude qu'on a menée sur la performance économique de notre forme de maraîchage a montré qu'on produisait autant sur un dixième d'hectare que nos confrères sur un hectare avec un tracteur. Donc si on arrive à produire autant de légumes sur un dixième d'hectare, on libère 9 dixièmes d'hectare. Et ça, c'est juste géant. Parce que ces 9 dixièmes d'hectare libérés sont utilisés majoritairement pour planter des arbres. Sous les arbres, on peut élever des animaux. On peut créer du coup un agro-écosystème très diversifié, avec beaucoup de niches écologiques. Et du coup, c'est toute la ferme qui devient un puits de carbone. Et c'est toute la ferme qui s'améliore, grâce aux arbres, grâce aux animaux. Grâce à toute cette vie naturelle et sauvage qui vient habiter avec nous ce petit territoire.